juste bonjour à tous, je suis le professeur Bernard. On m'appelle Nana. J'aime pas quand on m'appelle comme ça. Hein. Donc, bah, j'aimerais aujourd'hui vous parler du chien et du chat. Alors, certains nous disent que le chien et le chat voient en noir et blanc, c'est totalement faux. Hein. Le chien et le chat voient en couleur comme vous et moi. Comme moi et vous, comme voilà. Hein. Bon, il verrait un peu moins net, moins contrasté que nous. Par contre, on apprend très sérieusement que l'escargot, hein, l'escargot verrait lui en noir et blanc. Ils sont cons, ces escargots. J'aime pas les escargots. C'est con, un escargot. Déjà, ça vit avec sa maison sur le dos, là, comme ça, comme si on allait lui... ça m'énerve, ça, ce sentiment de la propriété, là. C'est à moi, c'est ma maison. Ça m'énerve. En plus, ils vont en noir et blanc. Les escargots, c'est des ringards, c'est des has-beens, c'est des passéistes, c'est des conservateurs. Les escargots sont des conservateurs. Enfin, ils en sont encore à la télé de Léon Zitron et de Guy Lux. Si c'est pas malheureux de voir ça, franchement. Non, laissez tomber les escargots. Ne fréquentez pas des escargots. C'est idiot, un escargot. C'est bête, un escargot. Un escargot, c'est nul. Eh bien, voilà, on se retrouve la semaine prochaine et je vous parlerai de Louis des Limaces. Voilà. Non, pas Louis la Limace. Une limace, ça n'a pas de nom. Louis des Limaces. Qu'est-ce que ça entend? Comment ça entend? Pourquoi ça entend? Qu'est-ce que ça écoute de la musique? Mais par contre, je suis en train de penser à un truc. Les limaces, là, elles peuvent pas mettre de lunettes? Bah non, elles ont pas de... Bon, on en parlera la semaine prochaine. Au revoir.